reportage. Salut à tous, ce soir dans Lightbox, on se retrouve au festival de hard rock de Vouziers, festival qui existe depuis 1985, la crème du hard rock. Le festival de Vouziers existe depuis 1985 et nous offrait pour sa 26e édition en ouverture le groupe The Beams, groupe purement ardennais dans la grande tradition du hard rock French 80, un talentueux mélange de hard rock actuel et traditionnel. Lone Wolf de Grenoble, existant depuis 1984 et faisant du heavy speed, et apparaissant sur pas moins de 11 supports audio à leur actif. Dirty Action, composé d'ex-membres des fameux Attentat Rock et Pink Rose, mythique groupe du French Metal 80. Girls' School sera remplacé au lama par le groupe allemand Bonfire avec son nouveau chanteur David Weiss, ex-Accept, sur l'album Hit the Hit de 89. Et qui d'ailleurs a interprété ce soir-là le célèbre tube Sword and Stone, qui leur a été offert par le groupe Kiss et qui apparaît dans la BO du film de Wes Craven, Shocker. Rock Goddess, groupe de heavy metal britannique issu de la vague New Wave of British Heavy Metal, composé des sœurs Julie et Jodie Turner et de leur bassiste Tracy Lem, qui se trouve également à être une des fondatrices du groupe Girls' School. Wave Digger, tête d'affiche du festival, groupe allemand formé depuis 81 et dont un membre, James Baker, a fait partie des Running Wild entre 87 et 92. Ils ont conclu le festival dans un déluge de décibels et devant un public qui n'attendait que ça. Voilà, c'est donc la fin du festival. Une année de plus. On se retrouve l'année prochaine pour le festival de Vouziers 2017. Ciao.